Le Moukanou Isukama Aubin, honorable Sarah Kabwala Idepes, honorable Kadima Kabongo Justin Moïse, honorable Kabenda Kayua Israël, honorable Kasinzi Mafolo Joseph, honorable Mubengai Kamanga Socrates, honorable Steve Moulumba Kongolo, honorable Jean-Paul Dikoui, honorable Moulenda Nyembo Gigi, honorable Kanefu Bahati Edith, honorable Kampela Chibwabwa Nadine, honorable Jacob Watt Constantin, honorable Canon Janon Larose, honorable Chalamwimpe Patricia, honorable Mbuta Levi Sangou Pamba. Merci. Déclaration politique. Les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa, UDPS, Bar Tshisekedi et le parti Mosaïque. Message de soutien au secrétaire général de l'UDPS, honorable Augustin Kabuya. Nous, députés provinciaux de la ville de Kinshasa, membres de l'UDPS Tshisekedi et des partis Mosaïque, devant la situation morose que traverse le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, parti cher au docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, devant le spectacle désolant auquel se livrent certains combattants de l'UDPS, faisons la déclaration politique suivante. 1. Soutenons sans condition l'honorable Augustin Kabuya comme secrétaire général du parti, UDPS Bar Tshisekedi, et membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Dénonçons avec la dernière énergie les attaques, les colibés, les calomnies non fondées proférées à l'encontre de l'honorable Augustin Kabuya par certains détracteurs en mal de positionnement. Mettons en garde tous les fauteurs de troubles, lesquels jouent le jeu des ennemis de la paix pour saper les efforts du président de la République en ce moment de guerre d'agression. Encourageons le dialogue au sein de notre parti politique UDPS pour les règlements de tous différents entre membres afin de garantir la réussite et le succès du deuxième quinquennat du président de la République, chef de l'État, notre seule autorité de référence. Fait à Kinshasa, le 17. Mouvement de libération du Congo, communiqué de presse. Le mouvement de libération du Congo exprime sa profonde préoccupation à la suite des déclarations de l'ex-première dame, Madame Olive Lembe Kabila, concernant la manifestation survenue aux environs de sa résidence par des individus non identifiés. Le MLC tient à préciser que le vice-premier ministre, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, cité par l'ex-première dame, n'est ni de près ni de loin impliqué dans cet incident. Toute insinuation en ce sens est sans fondement et vise à porter atteinte à sa réputation ainsi qu'à celle de notre parti, même si l'émotion est compréhensible. Il est également crucial de clarifier que l'espace récemment libéré pour la circulation autour de la résidence occupée par le président honoraire, relève du domaine public de l'État, autant que la devanture du Palais de la Nation ou encore celle de la cité de l'OUA. Les barricades y érigées entravaient la circulation. Les barricades y érigées entravaient inutilement la libre circulation des citoyens. De plus, le chantier auquel fait allusion l'ex-première dame est une propriété privée appartenant à M. Jean-Pierre Bemba Gombo,
acquise auprès de la société Utex Africa depuis 1994. Propriété dont Madame Olive Lembe a tenté de s'accaparer durant l'absence au pays de son propriétaire. Le MLC réitère son engagement pour la paix et la sécurité de tous les citoyens congolais et appelle au respect de la vérité et à la fin des accusations infondées teintées de complotites légères. À ce stade, aucune information avérée n'indique que cette résidence ait été attaquée. Avec toute élégance, le mouvement de libération du Congo prie Madame Olive Lembe Kabila de retirer ses propos et, si besoin, de poursuivre devant la justice les personnes ayant réellement participé à cette... Avec toute élégance, le mouvement de libération du Congo prie Madame Olive Lembe Kabila de retirer ses propos et, si besoin, de poursuivre devant la justice les personnes ayant réellement participé à cette tentative d'incursion dans leur propriété. L'époque où son cher époux empêchait les Congolais de vivre librement dans leur résidence est révolue. Avec Dieu, nous vaincrons. Fait à Kinshasa le 31 juillet 2024, Fidèle Babala Wandou, secrétaire général. Il est également crucial de clarifier que l'espace récemment libéré pour la circulation autour de la résidence occupée par le président honoraire relève du domaine public de l'État, autant que la devanture du Palais de la Nation ou encore celle de la cité de l'OUIA. Les barricades y érigées entravaient inutilement la libre circulation des citoyens. De plus, le chantier auquel fait allusion l'ex-première dame est une propriété privée appartenant à M. Jean-Pierre Bemba Gombo, acquise auprès de la société Utex Africa en 1994. Propriété dont Madame Olive Lembe a tenté de s'accaparer durant l'absence au pays de son propriétaire. Le MLC réitère son engagement pour la paix et la sécurité de tous les citoyens et appelle au respect de la vérité et à la fin des accusations infondées teintées de complotites légères. À ce stade, aucune information avérée n'indique que cette résidence ait été attaquée. Avec toute élégance, le mouvement de libération du Congo prie Madame Olive Lembe Kabila de retirer ses propos et, si besoin, de poursuivre devant la justice les personnes ayant réellement participé à cette incursion dans leur propriété. L'époque où son cher époux empêchait les Congolais de vivre librement dans leur résidence est révolue. Avec Dieu, nous vaincrons. C'est un engagement, comme vous l'avez dit, que nous avons pris devant l'État actionnaire unique représenté au plus haut niveau, parce que la Première ministre était là, mais représentée concrètement par le ministre du portefeuille, qui est celui qui représente l'État dans l'actionnariat unique de Ligne Maritime Congolaise, à faire en sorte que la rentabilisation du travail que nous faisons au niveau de Ligne Maritime Congolaise puisse profiter à son actionnaire et au-delà au peuple congolais tout entier, en nous focalisant dans notre objet social qui est le transport maritime dans les mers et les océans du monde entier, en provenance et à destination de la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, pourriez-vous nous poser brièvement la santé actuelle de la LMC? La LMC vient de loin. Vous savez que c'est l'héritière de la compagnie maritime zaïroise, compagnie maritime congolaise, qui a vu vers la fin de la Deuxième République tous ces navires être liquidés pratiquement. Maintenant, nous travaillons avec des navires d'affrètement sur la ligne Nord-Continent, c'est-à-dire celle qui relie Anvers à Matadi. Pour l'instant, nous sommes en train de mettre en œuvre un plan de relance quinquennal 2023-2027 qui
qui va nous amener à acquérir des bâtiments, qui nous amène aussi à favoriser la clientèle avec un programme door to door, comme disent les Anglais, c'est-à-dire prendre une marchandise chez un client et assurer de livrer la marchandise là où il souhaite que la marchandise soit livrée, c'est-à-dire même là où il n'y a pas un port, ce qui implique l'acquisition d'autres matériels comme des camions et d'autres moyens de transport pour assurer la sécurisation du fret qui est mis à notre disposition. Cela constitue aussi le grand défi de la LMC. C'est un grand défi que nous entendons mener à bonne fin. Et cette initiative du ministre du portefeuille nous rappelle cet engagement que nous avons déjà pris de par nous-mêmes au niveau du conseil d'administration, à faire en sorte que dans un secteur aussi compétitif que le transport maritime international, nous puissions effectivement accroître la part de l'entreprise publique que nous sommes dans le transport multimodal et particulièrement dans le transport maritime en provenance et à destination du Congo. C'est moi qui vous remercie. Oye na société, ba société belé, boyoka nesate. Tout comme na ba foyer nene mongo, papa na maman, dialogue esate. Eko malobi, moi na bimi fase, akimi ndaku, moi na komi na balabala, moi na rongla na wenze. Pour nini, dialogue esate na ba foyer. Oboni, lelo mindele, ba sangana ki, ba sali ero. Mbo me komi makasi, pour na dialogue. Dialogue de sali, dollar, lelo de salamakasi. Dialogue de sali, lelo livre sterling, de salamakasi. Y'a un moment dit dialogue est ça nécessaire, na vie na biso. Dans tout ça, dialogue est ça unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tous abonnés, vous soignez sur la Congo dialogue, série utile.